La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. R-A-Y-N-A-L-D-Q. C'est pas vendeur, ça, mon champion. Mais il faut dire la vérité, 250 millions de personnes qui nous écoutent. Ah, c'est bon, ça. Pas. Qui nous écoutent. Ou pas. Ah, ils nous écoutent ou pas. Ah, on s'imaginait qu'ils nous écoutaient pas. Ben non, ils nous écoutent, mais ou pas. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Tralala, c'est la mère Michel qui a vendu son chat. Comment on vend ça, ce chat-là? Ah ben là, je sais pas, j'en ai un dans la gorge. Mais comment tu le vends? Je le vends pas. Tu le donnes? Je le donne pas. On va le tuer, tu l'as pas. Eh, ce chat-là va avoir une humeur de chien après. Ah, on n'aime pas ça, les humeurs de chien au chat. On va faire un chat-chat. Pas un chat-chat, un chien chaud, chat-chat! Hey, avez-vous déjà vu un chien chaud en poncho? Ah, c'est un hippie chaton. Vous pouvez, hey, à l'époque, là, les femmes étaient hippies à peu près partout, partout, hein? Partout, partout, chaton, chaton, partout, partout, poncho, partout, partout, partout. Ah, c'est... Partout, il y avait du poil. Ah, c'est... C'était la brousse. T'arrivais avec ton... ton tirpan, ton kirpan. Non, non, ça c'est religieux. Ben, ton pirpan, ton tirpan. Ton pipan. Ah, ben, tu mettais le feu là-dedans. Ben, voyons donc, t'allais brûler. Ben, c'est pas grave, ça. Au moins, t'allais trouver autre chose. Errance rénaldienne sur le moteur de recherche. Vous pouvez nous écrire Rénal Québec en commercial à nuit.com. Alors, à vos claviers, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est parti. Oui, effectivement. Derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une zone, une autre zone, une seconde zone de l'interprétation, une dimension cachée par les médias formatés. À présent, choisissons comme expression, ça c'est un proverbe russe qui dit « le pain et le sel ne se querellent pas ». Le pain et le sel ne se querellent pas. Et moi, je rétorque. Après ça, c'est plus ce proverbe, mais c'est cette élancée rénaldienne. Rénaldien, rénaldienne. On s'élance. Hey, le sel et le pain ne se querellent pas. C'est bien certain. Après avoir chauffé à 425 degrés pendant à peu près une heure, est-ce qu'un pain a le goût de se chamailler avec le sel? Le sel lui-même qui se trouve dans le pain, dans la mie, dans le moelleux, puis dit « Ah, où suis-je? Ah, comme un peu mollalière. Croyez-vous que le sel a le goût de faire des improvisations et de dire « Ah, que la blège a blégé, ma vie, on a le blige. » Ouais, non, non. Il a chaud, il a transpiré, il a le poil à terre. Il a pas le poivre, hein, c'est le sel. Il a le sel à terre, puis là, il dit « Sel à terre, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Fait que là, le pain, il dit « Voyons donc, on peut pas se quereller, hein? Le pain et le sel ne se querellent pas. » Moi, j'ai juste le goût, moi, là, étant que un sel, je suis le grain de sel, là, pour faire un adversaire, pour être, comment t'appelles ça, donc l'avocat du diable de ce proverbe-là, juste moi, le petit grain de sel, là, j'aimerais créer la zizanie dans toi, le pain. Dans toi, le pain. Dans toi, le pain. Le pain, c'est toi, le pain. Oui, c'est moi, le pain. Là, je vais te dire une affaire, le pain. C'est moi le seul qui te parle. Mais vas-y, parle-moi. Oui, c'est ça. Crois-tu qu'on va te trancher, toi? Qu'on va qui? On va te trancher.
Ben, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Tu viens de sortir du four. Je viens de sortir du four. Tu es chaud, je suis chaud. Tu sais pas qu'est-ce que tu dis, je sais pas qu'est-ce que je dis. Tu es suintant, je suis suintant. Tu es croustillant, je suis croustillant. Tu es moelleux, je suis moelleux. T'as la croûte dure, j'ai la croûte dure. T'as le fond mou, j'ai le fond mou. Ah, mais tu vois, c'est ça. T'as le fond mou, t'as fondu, t'as le conduit. C'est oui, c'est qui, c'est ça, 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 c'est tu délires, mon pain, je délire. Je délire, mais le sel, jamais je te ferai une dispute parce que on a chauffé ensemble, on était des vrais amis, on riait au début, puis après ça, on a changé de stratosphère, tu te souviens de ça? Ben oui, j'étais dans mes affaires, dans mes affaires à moi, puis j'étais heureux, là. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.